Salut! Salut la France! La France! Non, attends, on reprend. 1, 2, 3. Salut la France! Alors, nous aujourd'hui, on fait cette petite vidéo pour vous parler d'un sujet qui nous tient vachement à cœur, c'est-à-dire l'adoption. Donc, il y a quelques mois, on a adopté Bart, un camping-car. Ouais, un super camping-car, c'est un 505 GTX de chez Autostar sur un porteur Peugeot J5 de 1989. Et on a même fêté son anniversaire le mois dernier, puisqu'il a eu 30 ans. On vous met la petite vidéo ici. Par là, là. Ouais, là, ici. Et du coup, donc pourquoi cette vidéo? Alors déjà, on l'a transformé parce qu'il était mal en point, on a pris soin de lui, on l'a ramené à la maison, on l'a pouponné, on a fait tout ce qu'il fallait pour qu'il se sente bien. Et du coup, maintenant, il a repris du poil de la bête, donc on vous laisse découvrir ça en images. Bon alors, aujourd'hui, c'est important qu'on vous en parle. On va chercher le véhicule. Voir un camion. C'est ça. Après l'effort, eh ben l'effort encore. Yes! On est encore là, la beauté du direct. Qui on est? C'est une question importante, ça, qui on est? Voilà. Vas-y, Moumoul, t'es qui? Alors. T'es qui, toi? Alors, moi, je m'appelle Maëlle, alias Moul. Bonjour, Maëlle. Bonjour, Maëlle. J'ai 23 ans et bientôt 24 en janvier, vous avez intérêt de me le sauter. Et à la base, j'étais en conception-rédaction publicitaire et j'ai décidé de partir avec Vincent parce que j'en avais marre, j'avais envie de prendre l'air, de voyager, de voir le monde. Et voilà, donc on a décidé de faire ce projet. Ouais. On parle du projet juste après. Hein. Ouais, on y vient. Donc t'es qui toi? Moi je suis qui moi? Moi je m'appelle Vincent, j'ai été agent immobilier, voilà, sur, dans la petite ville où on a grandi. Et ça faisait quelques temps que je voulais bouger. Et jusqu'au jour où j'ai reçu un petit message de Maëlle qui me dit « Wesh gros, ça te dit on bouge ?» et de là est partie cette idée donc d'aller se promener voilà, dans un périmètre qu'on a défini au fur et à mesure, etc. pour découvrir le monde, proposer des vidéos aussi de ce qu'on va faire. Et voilà. On parle du projet? Le projet. Ouais, le projet. Alors du coup, on a acheté un camping-car. On vous expliquera sûrement dans d'autres vidéos pourquoi un camping-car et pas autre chose. C'est surtout qu'on n'avait pas forcément le temps ni l'argent de rénover tout un camion, un fourgon ou quelque chose comme ça. On avait surtout envie de voyager et de partir. Du coup, l'idée, donc à la base, on avait plein d'autres projets. Partir 3 mois en Croatie, en sac à dos. Aller en Afrique. Voilà. Et donc au final, le projet qui s'est mis en place, c'est de partir en camion et de partir pendant 9 mois. Enfin, jusqu'aux dates qui nous étaient permises de partir, quoi, c'est-à-dire fin juin.
Et on va faire le tour de l'Europe, faire une petite pause en Turquie. Donc là, pendant les prochains mois, ce sera surtout la côte sud européenne. On va poser le camion en Turquie. J'espère qu'on va avoir du soleil, bordel. Ouais. Ça caille sa mère. Là, pour info, on est dans les Alpes. Et il fait beau aujourd'hui. Il fait super beau, on a de la chance. Sinon, c'est que de la pluie. Donc voilà. Donc en Turquie, logiquement, il fera quand même beau. Oui, on va poser le camion en Turquie. On va partir en sac à dos pendant 2 mois en Thaïlande, Cambodge, Laos et Vietnam. Donc ça, vous pourrez le suivre aussi. Ce sera un autre style de voyage, forcément. Et après, on va revenir, reprendre le camion en Turquie et après faire l'Europe. Donc, je sais pas si on va faire comme ça, si on va faire comme ça, si on va faire comme ça. Voilà, on a une idée de base, hein, dans théorie. Voilà. Puis on verra comment ça se goupille aussi au fur et à mesure. On verra. Donc, on a envie que vous partiez en voyage avec nous, que vous découvriez tout ce qu'il y a à découvrir. On vous fera partager un peu tout, que ce soit des petites astuces. Cosmétiques, beauté, tout ce qui peut t'intéresser, naturel. Pour les filles, mécanique pour les garçons. Voilà. les clichés. Ouais, oh là clichés, oh mon Dieu. Donc vous veniez clairement en voyage avec nous, hein, on vous montrera tout. Les petites délices gustatives qu'on va pouvoir trouver sur place, parce qu'on adore la nourriture, ça faut le savoir. Ouais, ça se vend un peu. Voilà. Non, et puis voilà, l'idée, nous, on veut aussi s'ancrer dans un esprit zéro déchet, bio, environnemental, donc c'est aussi le but du jeu, d'où les astuces. On expérimente la lessive maison. Un impact écologique moindre comparé à ce qu'on peut avoir en maison au quotidien, etc. Puisqu'on sait tous que c'est une lutte qu'il faut que l'on mène. Voilà, donc donner des idées, et puis faire des points, et puis vivre l'aventure, parce qu'en fait, on va avoir des galères, c'est sûr. On pourrait vous foutre de notre gueule. Ça va être marrant, ça va être drôle. Ça a déjà été le cas. Ouais, on est déjà tombé en panne d'eau chaude une fois. Mais bon, voilà, ça vous l'aurez pas en vidéo, mais il y en aura plein d'autres, ne vous inquiétez pas. On va essayer de démonter, de changer une courroie. Parce qu'on a une courroie, un accessoire qui a pété, donc c'est la courroie qui entraîne la. C'est clair. Voilà. Voilà pour le résumé, grosso modo. Le petit mot de la fin. Ah! Décalax, plus le petit truc bleu blanc rouge là, on aime beaucoup. Oh putain, c'est compliqué. Bah abonnez-vous. Abonnez-vous. Salut la France. Ah oui, la dot. Bébé veut un gosse. Tu finis wanted, moi je veux la vie de rêve.